Benny, comment tu vas? Ça va et vous? Ça va, hein, merci. On te remercie déjà de nous accorder du temps. Ici, nous, Léopard Foot. Avec plaisir. Comment ça a été le confinement? Bon, c'était un peu compliqué, comme un peu tout le monde, hein, mais bon, après, le plus important, c'était de se maintenir en forme au vu des échéances à venir. Donc voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire. En ce moment, qu'en est-il de ta situation actuelle en club? T'es encore sous contrat avec Wassam Beveren? Non, non, là mon contrat est arrivé à terme. Je suis en discussion avec ma famille et mes agents pour trouver une alternative pour les années à venir. Et comment est-ce que toi, tu as vécu la décision de l'Assemblée générale de la Ligue Pro qui disait que la saison allait se terminer, se clôturer, alors qu'il restait une journée et qui a, entre guillemets, été la conséquence de la descente de Wassam? Bon, c'est toujours une déception. Déjà de ne pas pouvoir jouer un match, mais encore plus quand ce match-là nous aurait permis de nous maintenir et on n'a pas eu l'occasion de le jouer. Et là, c'est dommage que je trouve que des décisions qui doivent se régler sur un terrain de foot et à se régler dans des tribunaux. Et comment est-ce que tu juges, toi, ta saison, malgré qu'elle soit finie plus tôt, comment est-ce que tu la juges d'un point de vue personnel? Personnellement, d'abord, comme le foot est un sport d'équipe, je vais parler collectivement. Collectivement, on n'a pas fait dans l'ensemble, on n'a pas fait une saison exécrable, mais on aurait pu faire mieux à certains moments, faire preuve de plus de professionnalisme, etc. On a perdu des points dans les dernières minutes, c'est ce qui nous a coûté, je crois, beaucoup de place dans le classement. Après, d'un point de vue personnel, je pense que j'aurais pu apporter. J'ai eu un impact positif sur le jeu dans la plupart des matchs. Après, statistiquement, c'est là où je dois forcer et mettre l'accent pour que ma valeur, mes statistiques augmentent. On va revenir un peu en arrière dans ta carrière. Donc, tu as 24 ans, tu as été formé au Standard. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à la formation du Standard que tu as eue? Qu'est-ce qu'elle a eu comme aspect sur toi personnellement? Donc, je suis arrivé au Standard à l'âge de 15 ans. Puis le Standard, en fait, ce qui est bien là-bas dans la formation, c'est qu'ils te mettent dans une structure qui lie l'école, l'internat et le foot. Donc une fois que tu arrives là-bas, tu rentres dans un système où par rapport à tes capacités au niveau scolaire, tu intègres ou bien tes envies en termes de matière, tu vois. Si par exemple moi j'avais pris la comptabilité, j'étais en comptabilité, par exemple, un établissement n'offre pas cette matière-là, tu vois, tu choisis parmi les différents établissements scolaires, et puis après tu as les internats, et puis tu as le foot. Ce qui relie les trois, c'est en fait un car qui fait la navette entre l'école et le foot. Donc on va le matin à l'école, puis le car vient nous chercher pendant que les autres ont leur pause, on va à l'entraînement le matin, il nous redépose, on fait les cours, puis après l'école, il nous redépose à l'entraînement. Donc on avait deux entraînements par jour, lundi, mardi, mercredi on partait plus tôt, on avait deux d'affilée qui suivaient, on allait en salle ou bien on courait dans les bois. Et après on avait le terrain, jeudi deux, vendredi un le matin, samedi le match. Et puis au fur et à mesure où tu avançais, le programme variait. Donc ça te met dans un. Pour me demander, pour répondre à ta question qui disait quel a été l'impact, ça te met dans un mode où. Tu sais où tu vas, tu vois, tu fais ça, ça te met dans un train, dans une rigueur, tu vois, dans une façon de faire que dans ta tête, tu sais que c'est pour devenir pro, c'est plus de la blague, tu vois. Après avoir fait ton entrée dans le noyau pro, standard, tu as fait deux prêts, donc un à Roda, si je ne me trompe pas, et un au Lyrse. Qu'est-ce que tu retiens de ces expériences, ces deux expériences-là? Les expériences, quand tu quittes entre guillemets ta maison, c'est toujours enrichissant, il y a toujours des choses à apprendre, des choses que j'ai faites que je ne ferai plus, des choix qui m'ont permis d'avancer dans la personne que je suis aujourd'hui. Et qu'est-ce que concrètement, par exemple, la Hollande m'a montré qu'il n'y avait pas que du foot qu'en Belgique, tu vois, que les frontières étaient. Il y avait les frontières par rapport au pays, etc. Mais tu peux jouer au football ailleurs, tu vois, tu peux te trouver des choses qui te plaisent ailleurs, tu vois, déjà de 1. Après, j'ai eu la malchance de me blesser.
J'ai eu une blessure dans ma carrière, c'était celle-là quand je suis arrivé à Roda. Et voilà. Sinon, c'était une expérience, je crois, positive qui m'a permis de grandir dans ma tête aussi, tu vois. Parce que quand tu es chez toi, tu grandis, puis tu arrives dans la pro, tu es pris. T'es pas pris, c'est vrai, t'es le gamin qui monte. Et puis quand tu vas à l'extérieur, t'es pas perçu de la même façon, tu vois. Que t'es 19, 20, quand tu arrives, déjà c'est parce qu'ils ont besoin de toi, c'est pour que tu joues. Tu vois. Après au LIRS, j'avais beaucoup de joueurs de qualité avec moi, parce qu'ils venaient de l'académie JMG, Jean-Marc Guillou. Donc techniquement, ils étaient au-dessus du lot. Et puis là, on a eu la malchance où le club est tombé en faillite. Donc la saison s'est écourtée et j'ai dû rentrer au standard. Okay. Ensuite, après, il y a le transfert définitif à Westland. Mm. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné au standard? C'est un truc qui n'a pas fonctionné, qui a fait que tu dois, t'es dû quitter le standard? C'est pas une question de quelque chose qui n'a pas fonctionné, c'est le temps de jeu. Tu vois, quand t'es jeune, rester sur un banc... parce que moi, j'ai intégré le noyau pro assez tôt. Enfin, dès que j'ai fini l'école et la saison en 21, je suis monté directement en pro, tu vois. Et à la fin, m'entraîner avec des hommes, je prenais de l'avance sur les gens de ma génération. Et ça ne me servait plus à rien de descendre jouer en 21 parce que l'écart de niveau était trop grand. Et donc, j'apprenais plus, tu vois. Je faisais que me roder, donc rester en forme, mais j'apprenais plus. Donc, aller en prêt ou bien partir pour avoir du temps de jeu et avec mes qualités, montrer que je pouvais atteindre... le niveau auquel je prétends, ben c'était la meilleure solution et le choix à prendre. On en a réfléchi, on y a réfléchi avec ma famille et mes agents, et puis c'est l'option qu'on a choisie. Après, il y avait l'option de rester encore au standard, attendre, prendre son mal en patience, etc. Mais c'était pas dans il fallait absolument ma façon de jeu, quoi. Ouais, pour moi, je pensais que la seule manière dont que j'avais encore à ma disposition pour apprendre et avancer, c'était jouer. Au standard, tu as côtoyé plusieurs léopards. Il y a les Bopé, Luindama, Nkoku. Quelles sont tes relations avec ces joueurs-là? C'est une relation, c'est fraternel. Hein. On était une petite communauté au standard. On avait nos tables, on mangeait ensemble, on parlait lingala. Même sur le terrain, ils me protégeaient beaucoup. Tu vois. Quand il y avait quelque chose que je faisais mal, ils me parlaient. Tu vois. Quand je faisais quelque chose de bien, ils m'encourageaient à continuer. Voilà. Bopé et Luindama, tu les as vus arriver? À ce moment-là, j'étais en prêt. En prêt? Ouais. Okay. Il y avait Bopé, Luindama, il y avait aussi Bolindi qui était arrivé. Ouais. Ah, voilà. Justement, en parlant de sélection, tu as été pris, tu as joué en sélection de jeunes avec les Belges, mm-hmm. mais plus récemment, tu as été présélectionné avec la RDC. Comment est-ce que, quelle était ta réaction au moment, au moment où tu as vu ton nom sur la liste du coach Christian Tsengui? Au début, j'étais pas au courant. J'étais à l'entraînement et quand j'ai quitté l'entraînement, je fais l'effort de pas trop être sur le téléphone, etc. Donc quand j'arrive dans le vestiaire, je m'étire, je coupe mes tapes, etc. Donc j'ai laissé mon téléphone sur le côté. Et une fois arrivé à la maison, quand je souffle, j'étais très fatigué, donc je m'endors. Et mon téléphone fait que sonner. Déjà depuis le stade il sonnait, mais je me disais bon c'était des notifications via à cause d'internet, etc. Et là il faisait que sonner et je regarde, on me dit félicitations. Je dis peut-être j'ai oublié mon anniversaire, je sais pas, tu vois. Alors je regarde, on me dit félicitations, je dis merci. Une première fois, une deuxième fois je dis merci, mais merci pourquoi en fait? Et c'est là qu'on m'appelle, on me dit ouais t'as pas vu? Et on m'envoie des messages par Instagram, enfin là, tu vois la liste qui était sortie sur Instagram. Sur votre Instagram d'ailleurs, on me l'envoie. Et c'est là que quand je commence à lire, que je commence à comprendre. C'est par rapport à la sélection qu'ils me disent félicitations. Mais bon, après, je leur dis c'est une présélection. C'est bien, c'est déjà un pas vers l'avant, mais après, c'est une présélection. Calmons-nous, jouons bien, et puis pour après essayer de. Mais toi, personnellement, t'étais. Là, t'as pas pu honorer la sélection, enfin, c'était une présélection, mais imagine, admettons que. Que tu étais sélectionné, oui. Tu aurais pu honorer cette sélection? Tu serais venu? Avec plaisir, oui. Donc, ça fait un moment, on va dire, que dans ta tête, tu es susceptible au léopard, quoi. Oui. Disposé à aller, oui. Je crois depuis toujours. Hein.
Est-ce que tu en as parlé à ta famille et même aux joueurs comme Polo, des joueurs comme ça qui sont déjà en sélection? Moi, je parle pas beaucoup en dehors de ma famille, de mes choix, etc. Mais dans ma famille, oui, ils le savent. Quel joueur, à part les joueurs qui ont joué au standard avec toi, quel joueur de la sélection actuelle du Congo tu connais, ouais, Je connais personnellement. personnellement ou alors que tu admires? J'aime beaucoup la facilité que Bakambu a pour finir. Qu'est-ce que tu penses pouvoir apporter à la sélection? Ce que je pense pouvoir apporter, c'est. Tu peux déjà même dire, donner aux supporters qui ne te connaissent peut-être pas, Ouais. ton style de jeu. Ok, moi je suis un joueur un peu plutôt technique, créatif, qui a la dernière passe facile, on va dire. Je peux la donner des deux pieds. Ton poste, Donc c'est lequel? moi je joue sur les flancs et derrière l'attaquant. Donc je peux jouer offensivement presque sur toute la ligne d'attaque. Et voilà, ma plus grosse qualité, je veux dire, c'est ma qualité de passe, de dernière passe. Ouais. Est-ce que le staff des Léopards ils t'ont contacté ou pas du tout? Oui, j'ai échangé un petit peu avec le coach. Le coach adjoint ou le coach. Non, le coach d'équipe Ok. première, oui. Quels sont tes objectifs en sélection? Et en club? En club, c'est déjà d'assez bien jouer pour attraper une place, comment dire, une place régulière en sélection. Puis une fois arrivé en sélection, apporter ma pierre à l'édifice. Hein, donc essayer d'avoir un impact positif sur le groupe et monter le niveau de jeu, que notre niveau de jeu, que le niveau de jeu du pays, de notre équipe nationale soit reconnu et constant. Qu'est-ce que tu penses du niveau actuel de la sélection et puis même de la dernière CAN si tu l'as suivi? Bien sûr, j'ai suivi. Je trouve qu'on a beaucoup de qualités. C'est indéniable, tu vois, tout le monde le dit, tout le monde le voit. Et même quand tu cites les noms des joueurs, tu sais que les joueurs ont de la qualité, si tu connais un petit peu le football. Après, je crois que c'est au niveau du groupe. On a peut-être un travail à faire sur nous, dans le sens où si on va tous dans le même sens, avec le temps bien sûr, ça peut faire quelque chose on peut devenir une équipe solide. Qu'est-ce que tu peux dire, qu'est-ce que tu as comme mot pour les supporters congolais qui te regardent? J'espère qu'on se verra bientôt. Ici, merci beaucoup en tout cas, Benny, et bonne chance pour la suite, pour la saison prochaine. Merci, avec plaisir.